On arrive dans un petit appartement. C'est un appartement qui fait 33 mètres carrés avec finalement une pièce de vie. Bon, cet appartement, on voit qu'il est un peu défraîchi. Yazid est agent immobilier depuis 15 ans à Saint-Étienne. Des appartements semblables à celui-ci, il en vend des dizaines par an. Mais ceux de pièces, lui, est parti à un prix défiant toute concurrence. 33 mètres carrés pour seulement 24 000 euros. Cet appartement, on l'a vendu 700 euros du mètre carré. C'est très peu. C'est très peu. Il est attractif parce que le propriétaire-vendeur, franchement, voulait s'en débarrasser. Et aujourd'hui, on a appuyé sur le bouton vert, c'est-à-dire le bouton du prix. Saint-Étienne est la métropole la moins chère de France. Ici, le prix moyen du mètre carré dépasse à peine les 1300 euros, 8 fois moins cher qu'à Paris. Ce couple de Lyonnais a 3 enfants. Pour eux, impossible de s'agrandir à Lyon. Alors, Saint-Étienne s'est vite imposé comme une évidence. Plus on cherchait, plus on devait s'éloigner de Lyon pour correspondre à nos critères de superficie et de prix. Et en fait, au bout d'un moment, on s'est dit, ben, pourquoi pas Saint-Étienne ? Nous, on est stéphanois tous les deux et on n'avait pas envie d'être dans un endroit perdu. Et ben, on a beaucoup gagné en surface puisque là, on a 180 mètres carrés alors qu'à Lyon, on avait 80. Donc, on a plus que doublé notre superficie pour le même prix. Après 10 ans de baisse continue, les prix repartent enfin à la hausse à Saint-Étienne. Plus 2% en un an. Une reprise timide, mais qui s'accélère ces derniers mois. Un reportage à retrouver en grand format ce soir, 22h45 et 23h45 dans Grand Angle.